Et je voyais ce livre que je ne pouvais pas à l'époque acheter, avec l'illustration des femmes d'Alger, et je voyais le nom de Essel Djebbar. J'ai toujours voulu savoir, enfin jusqu'à présent, je n'ai pas pu le lire finalement, ce livre. Mais vous savez, parfois, il y a des choses qui nous accrochent par l'image, même si on ne rentre pas totalement dedans. Mais le fait de voir cette image et de voir ce nom, que j'ai pu lire des fragments, et puis voir cette femme, comment elle a pu, par son écrit, transmettre, parce que l'idée elle est là, le fait de transmettre toutes les histoires de nos femmes, je trouve ça extraordinaire. Donc pour moi, les femmes d'Alger, ça représente un petit peu mon travail. Vraiment, ça a été toujours ma quête de mettre en valeur les coulisses, les femmes qui étaient presque absentes, mais en réalité elles étaient présentes parce qu'elles ont donné vie, elles ont participé à la guerre, elles nous ont fait. Je trouve ça extraordinaire parce que moi, tout le long de ma carrière, mon travail c'est autour de ces femmes.